Bonjour très chers amis, Démocrates Africains, les Amis du monde entier. Nous sommes dans la journée du vendredi 1er mars 2019 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Bon, vous avez vu euh, le procès en recours du général Mokoko aujourd'hui. Il euh, n'y euh, a pas eu gain de cause. Euh, accusé pour euh, on peut dire euh, deux motifs. Hein. Euh, on parle de détention illégale des armes de guerre. Et puis aussi, on parle d'atteinte à la souveraineté de l'État. Bon, euh, et puis on nous dit simplement que euh, la prochaine session va s'ouvrir euh, au 8 mars 2019. Vous connaissez que le 8 mars, c'est une journée fériée au Congo. Donc, on, vous comprenez que vous ne pouvez pas aller faire un procès le jour où euh, euh, est déclarée journée fériée au Congo. Donc, comprenez en réalité les manigances de ce système. En ce qui concerne la détention illégale de, 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 des armes de guerre, bon le procès au combi est en train de nous, nous dire, hein, de, de, tout nous, de tout dire la vérité au peuple et avertir au monde entier. Okombi euh, dit qu'ils ont l'habitude hein, dans ce système, ils ont l'habitude d'aller déposer ses, les armes chez les gens. Ça c'est au combi qui le dit. Ça sort de sa propre voix. Euh, le dimanche, nous allons revenir spécialement dans cette section que Okombi l'a dit qu'ils ont l'habitude de jouer ces coups-là, c'est-à-dire déposer les armes chez les gens et accuser ces gens-là euh, de, de simplement euh, euh, de détenir les armes et simplement utiliser des, des, des astuces pour pouvoir euh, les inculper. Bon. Quant au comédie qu'il est du système ils ont l'habitude de se faire ce genre de coups ces coups ce sont aussi les empoisonnements vous voyez, le pillage le vol, vous voyez chers amis et puis éventuellement euh, la débauche hein, la, la, les, les, les débauches que nous connaissons sortir avec vos femmes, vos enfants pour briser votre famille, ça fait partie euh, euh, du système euh, denis bon, donc vous voyez que sur des motifs d'accusation illégale des armes de guerre euh, vous comprenez aujourd'hui que euh, ça devient une réalité parce que Okombi qui dit qu'il est du système, il appelle Sassou le mentor et il vient dévoiler tout le système euh, dans son procès. Et donc, vous voyez que même les accusations de détention d'armes, de guerre qu'on on essaie de donner à Mokoko, c'est simplement euh, un mécanisme qu'on a mis en place, euh, une manigance pour pouvoir l'inculper. Oui, chers amis. Bon, vous avez suivi le procès Okombi, Il dit qu'il est démocrate, un homme d'État. Il est voué à des secrets d'État. Mais nous voulons dire à M. Okombi vous êtes face à la justice Sassou qui n'aura pas de pitié pour vous. Donc, euh, vous n'allez pas aussi mourir avec les secrets d'État, euh, comme l'a fait Ntsourou. Ntsourou avait eu une opportunité devant la Radio France Internationale en direct pendant que sa maison se faisait bombarder. Il a refusé de dire tous les secrets qu'il avait, mais il pensait que Sassou devait lui donner l'amnistie. Aujourd'hui, nous connaissons le sort. Sassou l'a assassiné en prison. Il est parti avec ses secrets d'État. Donc, face à Sassou, vous ne pouvez pas être entre guillemets un homme d'État ou un démocrate. Il faut tout dire en public. Quand vous avez maintenant l'opportunité de dire la vérité, maintenant que vous êtes encore en vie. Le procès au combi, vous allez avoir le verdict le 10, le 10 mars. Mais vous savez simplement, Sassou fait tout ce que Sassou fait est calculé. Euh, Mokoko avait été condamné le jour de l'anniversaire de sa femme, euh, Ant Antoinette Chibota, que vous appelez euh, euh, Antoinette Sassou. Donc c'était un cadeau d'anniversaire qu'il avait donné au général, euh, à sa femme en condamnant le général Mokoko à 20 ans. Hein. Le 10 mars, c'est le jour d'anniversaire du décès de sa fille qu'on appelle Edith la sorcière, celle qui aujourd'hui est l'origine de malheur du peuple congolais, aujourd'hui, par le biais qu'elle a, 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 a aidé à ramener son père au pouvoir. Le 10, de le 10 mars. Donc, vous devez vous attendre au, au, euh, sur euh, le, le compte rendu ou du verdict final hein, du, du procès de Okombi le 10 mars. Ça, c'est sûr. Bon, Mokoko, on l'a dit, bon, revenez au 8. Vous comprenez aussi que le 10 mars, ça assure aussi certainement la même date qu'ils vont dire simplement, Mokoko, non, nous disons, euh, euh, nous n'allons pas revoir votre cas, repartez en prison. Donc nous voulons dire à Okombi, euh, vous avez encore le temps pendant que vous êtes encore vivant parce qu'il faut le dire que vous avez combattu Sassou, vous êtes venu dire les vérités sur les médias sociaux, vous êtes venu dire les vérités euh, sur la place internationale. Oui, la place internationale, parce que nous suivons tous ce procès. Il euh, n'y a pas que des Congolais qui le suivent, il y a des étrangers. On a plein de gens euh, intelligents ici au Canada qui sont en train de suivre ce procès. Euh, on a des amis dans le système politique, le système judiciaire américain qui sont en train de suivre ce procès. Et donc, nous avons le feedback, ainsi de suite. Donc, les vérités que vous êtes venus dire, vous êtes venus dévoiler tout le système. Qu'il s'agit euh, le système, comment le système Sassou fonctionne, euh, c'est dévoilé aux yeux, aux yeux du monde entier. Tous les crimes que Sassou commet, c'est dévoilé aux yeux du monde entier. Donc vous êtes déjà, vous avez déjà dépouillé Sassou. Donc vous n'avez plus rien à cacher et rien à perdre. Ne pensez pas que Sassou va vous pardonner. Quand vous avez dit, il est votre mentor, il est sur la voie de vous briser. Donc si vous ne profitez pas de dire tout le secret que vous connaissez de cet homme, euh, Sûr, euh, pendant que vous avez l'opportunité de parler au micro, alors ça ne serait pas la peine hein, de, euh, de, de chercher l'amnistie du peuple congolais. C'est maintenant ou jamais qu'il faut dépouiller cet homme, de dire tout ce que vous connaissez, tout le secret que vous connaissez de cet homme, maintenant que vous êtes face de, devant les écrans. Souvenez-vous, que la commission des droits de, droit de l'homme, même de justice et des Nations unies, ont condamné Sassou par rapport à votre procès, ont condamné Sassou par rapport au procès Moukoko. mais Sassou continue de demeurer sur cette ligne. Pourquoi Sassou continue de demeurer sur cette ligne Parce qu'il a le soutien de la France, vous voyez, chers amis. Donc, ce n'est pas en prétendant être un homme d'État et vous cacher les secrets d'État que vous êtes en train de vouloir nous dire que vous allez vous en sortir de là. Pour Sassou, il va vous assassiner. C'est ça la réalité. Hein. Il, faut, il faut, le, faut le dire à Okombi. Sassou va vous assassiner comme il a fait à Ntsuru. Pourquoi Sassou va vous assassiner Parce que vous n'êtes pas mochi de sa tribu. Vous êtes teke comme Ntsuru. Il va vous assassiner. Donc c'est maintenant ou jamais que vous avez l'opportunité de dire la vérité, de le dire, de dire tout ce que vous connaissez de, au fond de votre cœur. Ne nous montrez pas l'impression que oui, vous êtes maintenant lié à Dieu. Mais Dieu, c'est quoi Dieu, c'est la vie quotidienne. Dieu, ce sont ses actes. Dieu, c'est aussi une façon de venir avouer devant le monde entier, tout ce que vous avez fait avec Sassou, le dire au monde, devant le monde entier, tous le secret que vous connaissez de ce homme, parce que comme vous l'avez dit, Sassou c'est l'homme numéro un qui assure, euh, si vous voulez, les, euh, les achats des armes, euh, l'homme des bas Maintenant, tous les secrets, parce qu'il ne s'agit pas ici de parler de secrets d'État, parce que vous êtes devant un mur, vous êtes face à la justice criminelle et dictatoriale de Sassou qui va vous emmener à la mort. Et ne pensez pas que euh, vous allez en sortir de là. Si et seulement si le peuple congolais, parce qu'il faut le dire que nous faisons face à un peuple tétanisé, si ce peuple-là ne se lève pas euh, dans son ensemble pour chasser ce régime, hein, hein, euh, pour chasser ce régime par un soulevement populaire, une révolte populaire, c'est ce, l'unique façon qui vous permettrait peut-être de s'échapper de là. Mais tant que ces gens-là seront là, ils vont vous assassiner, monsieur Kombi. C'est ça la réalité. Ils vont vous assassiner. Donc ne pensez pas que les Nations Unies là vont venir euh, vous sortir de là. Non Personne ne viendra vous sortir de là. Même le général Mokoko, personne ne viendra vous sortir de là. C'est le peuple congolais qui le sortira de là. Voilà pourquoi nous voulons dire au combi, vous n'avez pas besoin de jouer au jeu du chat et de la souris avec ce système. Quand vous avez commencé de dépouiller le système, il n'est ne, pas question ici de parler des secrets d'État. Sortez-nous tous les secrets d'État, tout ce que vous connaissez sur Sassou, pendant que vous avez encore l'opportunité des micros. Donc attendez-vous au verdict, le, le 10 mars, euh, comme cadeau. D'anniversaire au décès de Sassou, Sassou, euh, Sasso, certainement ce sera ce jour-là que vous aurez le verdict. Parce que tout ce que Sassou fait est calculé. Chers amis, je vais terminer par là. Ne manquez pas le direct de dimanche. C'est un direct très important. Nous, allons, nous avons reçu un document <laughs> très important hein, sur le pétrole congolais. Vous avez Monsieur Loïc Lefoque. Euh, L'ancien patron de Total, vous avez déjà parlé euh, des cargaisons fantômes. Et ça, c'était dans le contexte Total, des cargaisons fantômes du pétrole. Maintenant, là, nous, avons, nous allons vous parler des cargaisons fantômes. Et parfois, certaines cargaisons déclarées. Et ça se retourne en cargaison fantôme pendant que ces, ces tankers de pétrole-là se retrouvent en haute mer, manipulés par la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo. À la tête, vous avez Wilfried Nguesso, vous avez la compagnie Total SA, vous aviez euh, tout, euh, vous avez Denis Christel, euh, vous aviez les, les Ngokana à l'intérieur, vous avez effectivement toute la famille Sassou autour de ces cargaisons fantômes de la SNPC, donc la Société nationale des pétroles du Congo. Nous avons reçu tout un document et nous allons vous parler de ça dimanche avec la preuve à l'appui parce que nous sommes dans le système du B vitré. Tout le monde voit tout le monde, tout le monde écoute tout le monde, tout le monde parle à tout le monde. Nous nous parlons avec preuve, nous allons présenter ces dossiers-là, nous allons citer les noms. C'est ça la réalité, chers amis. Vous allez comprendre comment ces gens-là ont volé le Congo, comment ils sont devenus les propriétaires du pétrole du Congo, comment la famille Sassou est détenteur du pétrole, le monopole de la vente avec des réseaux du Nigeria, des réseaux d'Angola, avec les réseaux en Afrique du Sud. Comment la société de Wilfrid Nguesso blanchit ces cargaisons-là Par le biais, parce que celui qui est chargé euh, de l'import, l'export, comment ces tankers arrivent par des phénomènes que nous appelons des vases communicants Comment on fait ces transferts de tanker à tanker pour simplement le faire disparaître et profiter du pétrole congolais Nous allons vous en parler. On avait dit à Sassou, nous sommes à l'intérieur de ton palais. Quand tu dors, nous sommes à tes côtés. Nous t'écoutons. Tous tes murs sont écoutés. Tu ne peux plus te cacher. Tu iras au fond de la terre. Tu iras dans les cieux, dans les eaux, dans les montagnes. Tu nous rencontreras parce que nous sommes à l'étape de l'esprit. Tous ceux dont tu as tué, Bruno Osebi, est avec nous. Son esprit nous parle. Et nous voulons dire à la famille de Bruno Osebi que vous n'êtes pas seul. L'esprit de Bruno Osebi, de sa femme et de ses parents, sont avec nous pour dépouiller ce système. Nous voulons dire. Aux parents de Marianne Wabi, parents de Massamba Deba, de Kimboalankaya, de Kinganga, de Diawara, de Franklin Bukaka, de tous ces mondes-là, que ça soit assassiné, que leurs parents, leurs esprits sont avec nous. Donc vous voyez que les attaques de nuit dont les indignés de 242, le président Roland et tout, avec tous les indignés. Nous voulons ici citer Elie, nous voulons ici citer Alain Kimpo et toute cette équipe qui fait un bon travail au niveau de la passe de Paris, les attaques de nuit. Ils ont essayé chez nous, mais ils n'ont pas, pas pu rentrer parce que nous sommes protégés par des esprits, parce que c'est aussi ça. Il faut prier le Créateur, il faut prier nos parents qui ne sont plus en vie, il faut, par, il faut prier... Euh, nos totems qui sont au, qui, que, nous, que nous connaissons que sont là, au Congo, il faut aussi prier nos dieux traditionnels et puis nos gris-gris du pays. C'est ça aussi. C'est ça la culture. Donc, euh, ils ont essayé, ils n'ont pas pu, parce que la force de ces titans... Les forces que ça soit à tuer, les sangs de ces innocents sont autour de nous pour nous protéger. Euh, merci à, au président Roland et tout parce qu'ils ont évoqué ce problème. Moi je n'avais jamais voulu parler de cette affaire, mais comme ils l'ont dit, les attaques, ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Parce que nous sommes forts, plus forts que eux. Souvenez-vous, nous avons dit les titans protecteurs du peuple congolais. Fermeront le passage entre Jacquin et Boaz, et plus personne ne passera désormais dans le monde spirituel parce que ça a été simplement fermé dans l'obscurité. Nous l'avons capturé dans le monde des vivants et nous allons le ramener jusqu'à la démolition. Éventuellement, le système du Bévitré, vitré, par les preuves que nous présentons, fait partie de l'équation. Souvenez-vous, dimanche, les cargaisons fantômes de la SNPC, la magouille, et le paradis fiscal qu'ils ont constitué autour du congo Brazzaville, des sociétés écrans qui sont même implantées au congo Brazzaville. éventuellement, l'objectif de la mise en place, de la construction de la banque centrale de Oyo, c'est éventuellement pour faciliter les compagnies écrans qu'ils ont installées pour simplement brader le pétrole congolais et simplement renfouer les caisses et les poches de ces régimes, de ces, euh, de ces voyous de ce régime. Que Dieu nous garde que Dieu nous bénisse. Dimanche, chers amis, ça sera à 10h du soir lors de Toronto. Donc, on peut dire euh, non, ça sera à 16h. Donc on peut dire euh, 22h de Paris, euh, 22h, et 22h de Brazzaville, 22h euh, de Ntsumbu, de Mangansa, de Mpengi, euh, voilà, de Kimboala, euh, de Mayombo et aussi de Mabombo. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse.